Hello everybody, and welcome to another class of Science Wednesday, featuring the topic of viruses. So, Elska, do you remember what we saw in the last class? I do remember. Mm-hmm. We talked about viruses, about what a virus is, and we discovered that a virus is actually just a piece of genetic material in a box. And it's also, it's not alive, and it needs other cells to be able to replicate. Qu'est-ce que nous savons déjà? Les virus sont du matériel génétique avec une couverture en protéines. Les virus ne sont pas vivants. Les virus ont besoin d'utiliser les cellules pour se reproduire. Very, 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 very well said, Elska. That's exactly what we saw. And we also, if you remember, saw that a part of one kind of box, we can have different kind of boxes, different kind of material inside, what give us different kind of viruses. Différents types de boîtes et différents types de matériaux génétiques feront différents types de virus. So, what we are going to do today is to go a little bit deeper in the different kinds of viruses that we can find. Aujourd'hui, nous allons voir différents types de virus. We can categorize viruses according to different criteria. Nous pouvons les organiser selon différents critères. For example, according to their shape, leur forme. Some viruses look like a cylinder made with a spiral. These are called helicoidal or helical. Leur boîte en protéines peut être un cylindre. Some others have a box that is completely closed and made out of flat pieces. These are called icosahedric. Leur boîte peut être fermée et constituée de pièces plates. Other viruses are more complicated and are a mix of the other two kinds. Et elle peut aussi être plus complexe et constituée d'une combinaison de ces deux formes-là. According to their genetic material, leur matériel génétique, we have two options. Either they have DNA, that we have already seen, and it's four of two branches. Ils peuvent avoir de l'ADN double brin, c'est-à-dire avec deux branches. Or, they have a simpler version called RNA, that is only one of the branches. Ils peuvent avoir de l'ARN qui est monobrin, donc qui a une seule branche. According to the cover they have, par le fait qu'ils aient ou pas une couverture constituée de graisse. Some viruses are formed only by their genetic material and the box that is protecting it. These ones are naked. S'ils n'ont que la boîte en protéines, on va les appeler nus. However, some viruses cover themselves in a layer of fats that protects them. Certains d'entre eux ont également une deuxième couche constituée de graisse. Or according to their hosts, that is the kind of living creatures that they can infect. Les créatures qu'elles peuvent infecter. These ones, the complex ones, can only infect bacteria. Les virus comme ça n'infectent que les bactéries. While the ones that look like a cylinder and have no cover, only infect plants. Les virus comme ça, donc sans couverture graisseuse, n'affectent que les plantes. Other viruses like the flu, that look like one of these, only infect animals or humans. D'autres virus comme la grippe par exemple, n'ont d'effet que sur les animaux ou les humains. So Elska, did you get it? I think more or less. Okay, so for example, if I take out a virus like this one, could you tell me what kind of virus is it? Est-ce que vous pourriez me dire de quel type de virus il s'agit ici? So what I can see is that it's not covered, so it doesn't have the fats on the outside. Mm-hmm. And also, the shape of this is only for plants, because the shape is like a cylinder. Uh-huh. And we saw that the cylinder ones are always viruses for plants. Ça n'a pas de couverture graisseuse à l'extérieur, c'est un cylindre, donc il infecte les plantes.
Nous ne pouvons pas voir le matériel génétique qu'il y a à l'intérieur, donc nous ne pouvons pas savoir s'il s'agit d'ADN ou d'ARN. That's what I think. Oh, very well, Elska, let me put the virus down. Exactly, that's what we see. According to the kind of material that we have inside, we cannot say much because we cannot see it inside. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Il existe plusieurs types de virus. Selon leur forme, ils peuvent avoir un aspect de cylindre, de boîte ou avoir un aspect plus complexe. Selon leur matériel génétique, ils peuvent avoir de l'ADN ou de l'ARN. Selon leur couverture ou enveloppe, ils peuvent être soit nus, soit couverts de graisse. Chaque virus infecte des choses différentes. Certains s'attaquent aux bactéries, certains s'attaquent aux plantes et d'autres s'attaquent aux humains ou aux animaux. Then we're finished for today. We hope to see all your feedback as always and see you next time. Bye bye. Bye bye.